Bonjour à tous. BMAO est-elle au bord du chaos? Jusqu'où ira le conflit des agents communaux? Que veulent vraiment les syndicats dans cette affaire? Nestorius Favel, secrétaire général de l'UTC-UGTG, est l'invité de Questions sans détour. Nestorius Favel, bonjour. Bonjour. Les municipales approchent et la grève du personnel communal de BMAO se durcit, se radicalise même. Faut-il y voir un lien? Nous pas dans calendrier à les élections. Hein. Nous avons fait grève avant l'élection, pendant et après. Et ça arrivait que nous étions en grève, on l'en est pendant l'élection. Donc c'est vrai que grève-là a duré parce que l'autorité politique à BMAO décidé de ne pas appliquer ça, lui-même signé le 11 décembre 2019. Mm-hmm. Et là, il a les gens voulaient. Hein. Nous avons rappelé quand même son indemnité qui était déjà en place en collectivité là, en 2017, par une délibération, bien entendu, puisque son réforme à les anciens premiers qui étaient nés. Et donc, nous dit que nous voulions une base minimum en matière de coefficients au niveau à commune BMAO. Nous étions d'accord aussi, puisque nous commençons à négocier à 4h de l'après-midi. Et nous signer le lendemain à 7h, 8h du matin. Donc nous discutons en l'eau. Ah, justement, on pensait que c'était réglé. Oh, ouais, mais justement, là nous comprenons réglé, eh bien, lui qui a dit comme ça, que ça nous comprend là-dedans, ça nous écrit, eh bien, pas ça lui qui a compris. Sur la modulation, il a bien, nous a bien signé, nous préciser et signer mm-hmm. que ces agents-là qui sont vrais en modulation pour les agents qui à moins 0,65 pour ramener eux à 65. La modulation, pourquoi? Parce que les coefficients déjà qui existent, nous ne pouvons pas partir à zéro. Nous des gens qui étaient à 0, 10, 0, 12. Donc, nous devons moduler du bas pour mener à 0,65. C'est ça seulement nous écrit. Mm-hmm. Et je ne l'ai pas dit comme ça, qu'il n'y a pas ça, il comprend, il n'y a pas ça, il comprend. Alors que non, donc, différence d'interprétation. Oui, c'est ouais. ça, c'est différence ouais. d'interprétation. Il y a entre-temps qui a fait tout choix à l'endroit de mm-hmm. ça. Ouais. Même si ça en a l'apparence, ce n'est pas une grève politique. Vous ne roulez pour aucun candidat connu ou caché. Non, nous en grève là, élection qui arrive au mois de mars, bien grève là, conflit là pas réglé au mois de mars, équipe là qui est en place, c'est eux qui l'a réglé, on a l'équipe privée en place, et bien nous qui continuons, nous pas de problème, ouais. c'est ça, hein, chaque monde en rôle là, nous qui respectons rôle là, chaque monde. À l'UTC, l'UTG nous choisit de faire syndicat. Voiture brûlée, éruption de commandos dans les écoles pour forcer leur évacuation, entrave à la circulation, la prochaine étape c'est quoi? C'est l'insurrection? Vous savez que nous avons un proverbe, nous toujours dit, ici, hein, tout ça qui passe en la mer, c'est quelqu'un qui fait. Et donc, je là, nous en grève, c'est vrai, nous en grève, mais chaque fois que ça s'est arrivé, on a rappelé que l'éducation en grève depuis le 5 décembre, hein, donc à part nous qui empêchons tout le monde de l'école, ça qui est arrivé, je là, effectivement, quand on que nous entrons Kaboulé, nous entrons en équipe, on s'est tout le monde est tombé, c'est l'UTC, mais l'UTC, l'UGTG, depuis plus de 30 ans, nous avons fait grève en Guadeloupe. Et donc, je là, c'est eux qui mettent tout le but nous. Mmh. Nous avons une responsabilité en nous. Donc, les commandos dans les écoles, c'est normal? Non, nous pas dans commando à l'école. Nous pas dans commando à l'école. Je là pour nous ne pas hésiter ni commando. Autre qui m'a polyfont. Nous, j'ai toujours dit, mon polyfont, il a fait tout ça, IP, pour y déplacer le problème là. Et ça, c'est vraiment dommage. IP, il peut déplacer. Puisque nous, j'ai dit, prenons là, qu'elle nous contre ici, là, le point 2 à protocole qui signe le 11 octobre, il peut avoir négocié. Donc, nous faisons des propositions, il fait des contre-propositions, et nous d'accord, effectivement, en médiation, mais pas question d'une commission ad hoc, nous ne pas renégocier près. Donc, nous faisons une médiation, et médiateur là qui lit, en général, qui a voyé, et nous voyons que j'en ai quoi faire pour nous signer, oui. sortir dans un conflit là. S'il faut que ce conflit dure jusqu'aux élections, vous l'assumerez? Non, conflit là, nous voulons durer jusqu'à la date qui est appliquée pour là. Et c'est tout, il peut faire avant l'élection, il peut faire après l'élection. Nous pas si on donne précis, nous là pour l'élection. Si les deux tours à l'élection arrivent et qu'ils prennent là, nous avons dit là, en tout cas, ils ne peuvent pas nous les arrêter, puisque c'est une option préalable, ils ne peuvent pas nous les arrêter à les agents concernés, et bien après les élections, nous pouvons continuer. Mm-hmm. Puisque nous n'avons pas de problème politique, nous n'avons pas revendiqué tout partout. Ouais. Que dites-vous aux parents qui subissent avec leurs enfants les conséquences de cette grève? Les parents, on va rappeler que nous aussi, hein, nous ces parents, nous va rappeler les parents que. L'année passée, après les informations que les syndicats qui travaillaient avec nous, qui ont niveau l'école, ils ont dit nous avons 100 jours à dans l'année la patte de l'école pour de l'eau rater ça au gaz. Nous n'avons pas entendu les parents. D'accord? Nous avons rappelé les parents, nous avons plus d'un mois l'éducation en grève. Je dis là, à part nous qui empêchons BMAO, parents, BMAO, pas l'école. Ni grève, l'école là qui a ouvert par le ministre enseignant.
Hier, c'était une journée générale. Donc, nous, pas, nous ça nous a dit les parents, c'est vrai, vers l'autorité, puisqu'il n'y a ni l'école, mais ni cantine aussi, vrai vers l'autorité pour régler le conflit là. Mm-hmm. Dans toutes les collectivités, nous, en grève, c'est la première fois qu'on a fait ça. Chaque côté, nous, on prend les parents qui font un point vers nous, et nous, on va l'autorité, nous, on organiser pour sortir, puisqu'effectivement, les parents doivent déposer Timouna, Timouna doit manger en cantine, nous conscients à ça. Mais pas parce que nous en grève pour les parents penser, c'est grève nous qui empêcher Timouna de faire toute qualité. Non, non, on ne peut pas y mettre tout le but de Sidou, nous, hein, mm-hmm. tout en sachant que nous responsables à tout ça, nous avons fait. Oui. Du champagne sur le piquet de grève devant la mairie, ces bouteilles brandies par vos camarades, ils avaient quelque chose à fêter, un anniversaire On passe à si champagne était interdit, hein, puisque les gens qui ont fait vidéo à champagne passé, là, il y a fait à eux, il y a boire champagne par 2, 3, 4 cartons. Donc, mm-hmm. tout ça aussi, c'est des éléments pour déplacer le problème. Mm-hmm. Et plus de 40 ans, plus de 40 ans. Qu'est-ce que vous aviez à fêter? Non, nous pas en fête, hein, nous pas en fête, nous en grève, et c'est tout. Si mm-hmm. grève là, on peut manger. C'est pour décompresser, alors. Ou quoi faire? Non, non, à part, nous pas fêter victoire. Hein. Donc, les camarades, t'es à l'aise à eux, ils ont fait buter à eux, c'est tout. Donc, je voulais rappeler quand même aussi que, ni 40 ans que. L'UGTG qui a dit consommer local, puisqu'en vrai, des vidéos qui ont circulé, c'est ça. Mm-hmm. Et jusqu'à là, la Guadeloupe, nous toujours attendre qu'il y ait premier champagne. Oui. Donc, on ne pense qu'à part des trois champagnes là, qui sont les cibles qui sont là, qui ne mettent rien de particulier en pays. Oui, c'est fait, mais ce n'est plus à faire quand on est en grève quand même. Non, c'est-à-dire que nous pas ni on cadre cas pour faire, cas pour pas faire. Nous en grève. Bon, les camarades, effectivement. Yoté en vie fait biter à Yoyofei. Mm-hmm. Nous responsables à ça qui fait. Hein. Oui. Et c'est tout. Mais bon, pas ni pour Oda Dimoun fait pas faire. Non, non. Loin de là. Très bien. Ça vous dérange pas? C'est pas. Non. Ça qui a dérangé, c'est le fait que. C'est l'alcool. Mais c'est pas le fait que ses camarades l'a présenté ça. Bon, ben. Mm-hmm. Vous savez, problème à nous, c'est toujours ça. Hein, parce qu'au départ, on parlait moins des voitures brûlées. C'est-à-dire qu'à tout moment, toujours un élément qui a sorti nous dans ce sujet-là. Qui a sorti nous un sujet là pour nous oublier. Mais non, sujet en nous, justement, quel que soit ça qui était fait à l'entour, pendant un mois, puisqu'il y a à peine un mois, si nous disons encore un mois pendant les 2 mois, mais nous allons rester justement si le protocole qu'elle nous signait, les 11 équipes aux gens respectées. Très bien. Il faudra quand même sortir de ce conflit et la solution, c'est la médiation. Nous avons fait plusieurs propositions. Hein. Nous avons fait plusieurs propositions à cause de sortie de conflit. Et donc, il fermé si en commission ad hoc. Commission ad hoc, là, c'est pour renégocier, nous pas renégocier. Alors, nous allons dire ouvertement, chaque fois nous avons un conflit et nous avons des problèmes, et donc, soit nous, soit l'autorité, mm-hmm. qui cherchons une médiation. Et donc, s'il faut que nous ayons un médiateur, depuis lui, d'accord, nous sommes d'accord pour voir que nous sortir un conflit là. Mais ça, nous voulons rappeler surtout, ce n'est pas des prêts que nous avons, ce n'est pas une plateforme de revendication que nous avons déposé, c'est un accord que j'apprends, oui. et j'ai signé. Et donc, même la médiation, bon, à la rigueur, nous pouvons arriver à la médiation, mais nous ne pouvons pas négocier près. Là, on voit une plateforme de revendication, nous, on veut être de près, on croit qu'ils sont médiateurs pour là, mais ils n'ont pas marché pour nous avancer, mais ce n'est pas le cas. On peut déjà signer. Et donc, s'il faut que nous n'ayons médiateurs juste pour dire que l'UTC n'est raison, eh bien, nous le faisons. Mm-hmm. Le point de crispation, le carburant de cette grève, c'est, ce n'est pas vraiment le traitement particulier du chauffeur du maire, c'est pas ça. Non, c'est pas non, c'est loin de là. La revalorisation du régime. C'est pas ça qui vous pose problème. Non, la revalorisation du régime des militaires depuis le 2 mai 2016, nous étions en grève à Capesté Bello pour nous faire 4 mois. Mm-hmm. Et donc je de là nous bémao, à part parce que chauffeur a man pour les fonds, ni un taux supérieur à tout le monde qui est en grève. Hein. Mm-hmm. Nous en grève parce qu'il n'y a pas assez. Mais ça vous dérange. Oui oui, non, ça pas qu'à déranger nous puisqu'elles sont travaillées, mais seulement nous a dit aussi. S'il si faut que nous ayons là, nous pouvons dire aussi, mais tout le monde est égal à chauffeur. Mm-hmm. Parce qu'elle est capable de l'équité. Mm-hmm. C'est capable de l'équité. Mais si nous cherchons l'équité, là, il n'y a rien. Hein. Ça veut dire que jour là, la revendication est beaucoup plus bas. Il est beaucoup plus bas que le chauffeur. Et le chauffeur est supérieur, il n'y a pas même 10 ans en collectivité là. Il est capable d'expérience, il est capable d'ancienneté. Donc le chauffeur n'est pas ni 10 ans, et le primaire est supérieur à les 400 autres personnes qui nous commandent. Donc il faut nous servir ça, nous faire. Très bien. Donc la porte n'est pas fermée. Non, du tout. Porte la page fermée. Depuis nous en grève, là, nous déposons préavis de grève, nous tombons en grève, nous avons une plateforme de revendication. Nous en grève, c'est pour signer un protocole de fin de conflit. Oui. Et c'est tout. Donc là, nous gagnons un protocole. Donc c'est un accord de sortie qui nous a rappelé, qui préalable, c'est notification à l'ensemble des agents concernés par point là,
arrêté à eux, avec nous quoi sortir. Merci à vous, Nestorius Favel, d'avoir été notre invité. Merci. Merci de nous avoir suivis. Question sans détour revient dès demain sur OTV, votre chaîne locale.